en sortant, il a déclenché les essuie-glaces. Et qu'es-tu en train de commenter, mon cher Pitou? C'est quoi cette voiture? C'est la M-Hero. Je sais comme pas si on dit comme ça, de Microlino. M-Hero, peut-être. Comme Robert Damiron? Excellent. Amusant. Regardez cette ouverture incroyable. Bon, clairement, l'inspiration, c'est la BMW Isetta des années 50, qui avait été développée, je te l'apprends, mon cher Pitou, pour répondre eh bien, à une crise, hein, une crise énergétique, financière, comme quoi l'histoire est un éternel recommencement, mais on va être obligé de rouler dans cette merde. Exactement. Question, t'es garé, il y a une voiture devant. Comment tu sors de ta voiture? Suis-moi, parce que sinon, en vrai, on filme des gens, ça ne sert à rien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Deux profils. Bon, là, évidemment, il y a un monsieur devant, donc on va aller voir la bleue. Ah bah, oh là là, elle est jolie la bleue. Oui, non, alors par contre, oui, je reste sur ta question, elle est excellente ta question. Il y a un peu de place quand même. Ta question est intéressante, effectivement. Alors, voilà. Spiaggina. Hop, ça a plutôt une bonne Spiaggina, boule. Spiaggiari. Ah, effectivement, tu disais, voilà, on est garé et il y a une voiture devant. Bah, effectivement, vu que l'ouverture se fait par l'avant. Et comment on l'ouvre? Par les côtés de ce que j'ai vu. Bon, après, c'est rigolo quand même. Blague à peu. Enfin, tu non. vois. Non, non, ça n'a aucun sens. Oh. C'est dur. Ça a une bonne bouille. Si, c'est rigolo. Regarde, si on fait le tour. Je te passe devant, excuse-moi. Vas-y. Il y a une recherche, quoi. Puis il y a un clin d'œil à une voiture qui a existé. Oui, voilà, il y a un clin d'œil à une voiture qui a existé. C'est un petit peu un sous-marin avec les trucs sur les côtés. C'est assez spécial. Donc c'est suisse. C'est une marque suisse. Et c'est construit en Italie. Bon, c'est minimaliste à l'intérieur. Ouais, relativement sommaire. Hein. Mais c'est pas. Je trouve ça plutôt sympa. Ouais, regarde le petit plancher façon pseudo-Riva, tu vois. Ils essayent de faire des petits clins d'œil sympas, tu vois, dans le coffre aussi. À voir quelle est l'utilisation. Bon, c'est de cette version, hein, c'est la Spiaggina. Moi, je préfère les quatre fromages, mais comment c'est. La Spiaggina. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un scooter. Tricycle, la Microletta. Alors, chez nous, en France, on avait Nicoletta. Et chez Microlino, ils ont Microletta. Voilà. Il est tout seul. J'avais envie de parler de Nicoletta. Et en voici une autre. Non, franchement. Ça, c'est la Light. C'est la Light. La Lite. Ah, alors, oui, déjà qu'il n'y avait rien dans les autres, la version Lite. Elle est plus sommaire. Ah oui, alors là, on n'a pas le plancher machin. Par contre, il y a de la moquette quand même. T'as vu quand même, on est au mondial de l'auteur, on en est assez extasié parce qu'il y a de la moquette dans les bagnoles. Tout fout le camp, ma bonne dame. En gros, c'est une machine à laver avec des pneus. Je te trouve dur. Non, non, mais sérieusement. Tu roulerais jamais avec ça. Ah, franchement, on me la donne, si. Non, honnêtement, je trouve ça sympa. Je trouve ça, ça me fait rigoler. Et c'est probablement inspiré de ça. Alors, tu vois, t'es un enfant, tu le fais rouler avec ça à côté de ta voiture. Mmh. Parce que s'il a un peu des cuisses, il peut te suivre, je pense. Il y a des chances qu'il aille plus vite, en plus. Et on va juste jeter un œil, parce que c'est intéressant. À la structure, donc voilà, donc ça a bien la forme de sa forme, quoi. Mmh. Voilà, et on dirait qu'elle a brûlé. Elle est peut-être mieux comme ça, non? C'est con. Non, mais alors, voilà, ouais, donc mon ami est, qui restera mon ami, malgré tout, a un avis assez tranché. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Je le comprends sur la location sur des grandes villes, etc. En achat perso, j'ai un peu plus de mal. Après, ça coûte 10 000 balles quand même. Et pour moi, en plus, tu vois, t'as pas l'impression que la voiture s'est intervertie les côtés? On a plus l'impression que l'avant est là-bas. Ouais, mais où les Isetta, c'était ça aussi. Ok. Donc là, pour ça, il n'y a pas de. Non, non, ça respecte le dessin originel, enfin, en tout cas, l'inspiration originelle. Ok. Hop. Voilà. Et je vais absolument te voir à l'intérieur. Je suis persuadé que ça va t'aller. Tu vois, Can I go inside? Yeah. Tu vas être convaincu, je suis sûr. Jusque là, ça va. Il faut juste que je trouve le bouton pour refermer. Ah, parce qu'il y a un bouton pour refermer? Je sais pas, à moins que ce soit la tirette. C'est de tête. Je pense que c'est la tirette et t'as pas besoin de trop claquer le truc. Ok. Puisque du coup, vous avez vu, la fermeture est assistée. Ok. Et hop. Ah ouais, ça se ferme tout seul. Alors. Oui, vas-y. Ma question étant que s'il y a une tirette pour fermer, c'est très bien. Comment j'ouvre? Ah, il faut que t'aies quelqu'un à l'extérieur qui te suive tout le temps. Je vais trouver, hein. Je vais trouver. J'avais dit que je ferais jamais ce rire en public. Eh ben, c'est fait. Je vais trouver. Regarde, ça fait sport, regarde. Je crois que je l'ai démarré, là. Donc, faudrait que je fasse n'importe quoi. J'entends pas un mot de ce que tu dis, mais je te crois sur parole. Ben, on a un micro, donc. Alors, t'as pas trouvé de bouton pour sortir? Je l'ai démarré, là. Non, sans déconner. Si, si, ouais. Mais bon. Bon, ouais. Je te libère. Ouais. C'est quand même ouf de pas trouver un truc pour sortir. Bon, après, ça doit être tout con. Hey, regarde, t'as des prises USB. Ouais. Alors, est-ce que c'est une enceinte? Ça, c'est une enceinte. C'est absolument une enceinte, ouais. Non, mais il y a de l'idée. Ok, il y a des petits gadgets, il y a des petites choses, quoi. Tu vois, on a dit c'est suisse, ça se voit.
Allez, merci Microlino. On continue notre visite du hall 6. Bar. Mon cher Pitou, est-ce que tu connais la chaîne Villebrequin? Absolument. Donc voilà, bah, ils ont un stand au Mondial. Je trouve ça juste super. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime leur humour, j'aime surtout leur passion. Ils sont toujours... Et le nombre de vues aussi. Ouais, oui aussi, oui. Alors ça, là-dessus, je ne peux pas rivaliser, on est bien d'accord. Ils sont inaccessibles. Et donc voilà, sur ce stand, ils proposent plusieurs véhicules qui ont bien, émaillé l'histoire de leur... Ça, c'est la voiture qu'il a eue quand il a perdu le permis. Voilà, et qui donc, ils ont customisé dans tous les sens, et c'est à mourir de rire. Ça, ce sont les orgues voilà. De l'église de Varès. Exact. C'est juste magnifique. Moi, j'adore. Donc là, la fameuse Saxo avec laquelle on a franchi des Dodanes à 130 km/h ou avec laquelle on a fait des essais de voir si ça marchait avec l'essence de térébenthine, avec du White Spirit, enfin voilà. Ils s'amusent, ils s'éclatent et ils nous font partager et j'aime leur humour, j'aime leur professionnalisme, j'aime leur passion. Je t'avais dit que ça, c'était une bonne idée. Faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Oui, exactement. Sauf que ben, nous, ils s'en foutent, les gens. Une Pagani, une SLR, la Pagani fantastique Carrera GT. Et là, on arrive dans l'ère rallye avec une Delta HF intégrale, une 037 et une Lancia Stratos. Et évidemment, on est venu voir quoi, surtout sur le hall de Villebrequin, bah, la célèbre Multipla. La Multipla, mais c'est juste incroyable. Mais alors ça aussi, être capable d'embarquer tous les followers là-dedans, partir de 2-3 conneries avec un Multipla et de finir avec cette auto qui est taillé pour la compète, qui a des sponsors de partout, qui a des partenaires hyper prestigieux. Bon, Michelin est le plus connu, hein, il y a eu une mini polémique sur la couleur, machin, mais franchement, arrêtez de faire des procès aux gens, c'est admirable ce qu'ils font. Donc voilà, la voiture fait 1000 chevaux, elle n'a pas encore roulé, officiellement en tout cas, ils feront une vidéo prochainement, mais la voiture est folle, moi je trouve ça génial. Ils vivent leur rêve, ils vivent leur passion. À mon petit niveau, j'essaie de faire pareil, donc je suis forcément admiratif de Pierre et Sylvain. Voilà ce Multipla, il est dingue, et on voit pas l'intérieur, quel dommage. Mais c'est fou cette caisse, mais c'est incroyable. Mais regarde, la quadruple sortie de peau, façon Pagani. Non mais c'est magique, c'est magique. Bravo Sylvain et Pierre, bravo Villebrequin, je les trouve géniaux. Voilà. Si vous me regardez, bonjour Sylvain, bonjour Pierre, merci. Ah bah non, personne ne me regarde. Nam X. Et non pas Manix comme Joe Manix. Hein, rien à voir. Les plus vieux d'entre nous auront reconnu. C'est une marque française. Namx. C'est une marque française. Namx. Oui, c'est une marque française, exactement. Une grande berline à hydrogène. La ligne est géniale. Quelle beauté. Donc designée par Pininfarina. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'arrière, on aperçoit les batteries. Non, mais l'arrière avec le X lumineux, là, c'est super fou, ça. C'est joli comme tout, mais qu'est-ce que c'est chouette. Bon, toujours pareil, ces grands bandeaux plastiques, là, pour alléger la hauteur générale de la voiture. Les vitrages très, très fins, mais comme le toit est intégralement vitré, bah forcément, il y aura quand même une grande impression de luminosité. Je pense qu'elle est configurée en 4 places. Mais c'est chouette, vous vous rendez compte, un constructeur français. Mais c'est super, c'est génial d'essayer. C'est pas la même dynamique que Villebrequin, c'est pas le même délire, mais voilà, c'est des gens qui ont des rêves et qui vont au bout. Et je trouve ça génial. Bah, franchement, elle est superbe. Franchement, elle est très très belle. Ça. Et un petit œil sur les batteries encore, qu'on voit ici, voilà. Même ça, ça fait futuriste, tu te dis, le machin, c'est un lance-missile, quoi. Et donc dans l'idée, bah, y aurait des bornes de recharge comme ça, un peu comme quand on va changer sa bouteille de gaz. Et vous voyez, quand elle est vide, ce serait allumé rouge comme ça. Et puis quand on a besoin de faire le plein, on vient chercher sa batterie et on laisse sa batterie vide et on repart. Donc on fait le plein. Voilà, et on fait le plein en 3 minutes, nous disait le jeune homme tout à l'heure qui a participé au design de la voiture. Donc voilà, bonne idée. Allez, chouette. Waouh, elle est trop belle. Bah, j'insiste un peu, hein, mais on est séduit, je pense. Allez, longue vie à Namix.